semaine, c'est une belle journée vous est offerte par Handicap International, dont un des objectifs prioritaires est de permettre aux personnes handicapées d'accéder à l'autonomie. Et les Babies nous ont fait une course extraordinaire. On peut les applaudir encore une fois bien fort. Merci pour eux. Yo! Ça, c'est un engin de série qui est réglable. C'est, si vous voulez, un fauteuil de course, mais pour le loisir, contrairement à d'autres fauteuils que vous verrez dans la course, qui, eux, sont faits sur mesure au millimètre près. Ça, c'est un hybride entre un engin de loisir uniquement et un engin de course. Il est complètement réglable, il est adaptable aux différentes morphologies. D'accord. Et autrement, au niveau de la manifestation, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce fait d'avoir mélangé les percussions africaines avec... avec ces courses, ce marathon. Moi, je dirais, plus il y a de mélange et de rencontres, mieux c'est. Le mélange des instruments, pour moi, c'est équivalent au mélange valide handicapé. Tout le monde se retrouve pour faire la fête, pour bouger, pour faire de la course, et je trouve que c'est ce qu'il y a de bien. Et en plus, Handicap International, ça vaut le coup d'être aidé. Je trouve ça franchement cool, quoi, parce que ça permet d'associer plein de choses, le sport, la musique, les gens valides, les gens non valides. Ça permet une ouverture d'esprit, c'est important, je pense, ça. Voilà. C'est-à-dire que le fauteuil que j'ai, c'est un fauteuil d'usage courant et pour faire 10 km, c'est difficilement pensable. C'est-à-dire que si je veux faire de la course, du marathon comme ça, il me faut un fauteuil. Si je veux faire du vélo, il me faut un autre fauteuil. Si je veux faire du ski, il me faut un autre fauteuil. Si je veux faire à chaque activité, son fauteuil pratiquement. Ce qui se passe aujourd'hui est très sympa parce que ça se passe dans une atmosphère conviviale, décontractée.